C'est Matchan 5, comment allez-vous? Moi ça va tranquillement, pas de problème aujourd'hui, c'était hier. Donc les gars, on est parti pour la partie 2 de l'épisode 2. Les gars, je ne vais plus faire cette vieille erreur que j'ai faite dans l'épisode 1. Par contre, c'est plutôt dégueulasse ces petits trucs rouges qui encadrent le miroir. C'est peut-être même un petit peu joli. Enfin, c'est bizarre, c'est what the fuck, mais c'est joli. Bref, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ben, on y va. Hein. On va parler avec Juliette. Hey bro. Ah d'accord, ok, oh, je parle à vous. Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later. Tu la pètes un petit peu là. Légèrement, hein. Really, pas Max? Du tout que tu la pètes, hein. Oh, pas du tout. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that, and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché! Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Yvelin! What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. My mind works in devious ways too. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. I'm not watching the video, Max. Ok, c'est sympa. Regardez, le truc inutile. Juliette est juste ici, chambre de Juliette. Et il y a quelqu'un. Wake up, Max. Juliette is next to me in the hall, not her room. Franchement, le mec, il fait vraiment sans la regarder, genre, imagine. Il marche comme ça, il fait comme ça. Ah, chambre de Juliette. On n'a pas vu son visage, on a vu ses jambes. Donc le mec il frappe, il fait ah, elle est là. Hashtag Jean-Michel Autiste, hein, voilà, l'un des meilleurs. Bref, on va se doucher. Bonjour Kate. Évidemment, moi je vais pas faire non plus oh, tu es là. Donc, voilà, je lui dis bonjour, hein, parce que je suis poli, oh, parce que je suis pas étonné, évidemment. Hey Kate, sorry about yesterday. Yeah, I'm sorry you didn't do anything to help, but you're just like everybody else here. Ah d'accord. It's not true. I wanted to help, but whatever. It's done. By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Pauvre Kate, tourmentée tout le temps, hein. C'est vraiment relou. Hein. Oh, on regarde pas. On regarde pas, on ferme les yeux. On est pervers. Attention, vous avez à l'œil. Hein. Oui, vous. Vous qui regardez cette vidéo. Non, évidemment, je vous ai pas du tout à l'œil. Hein. Vous pouvez être 1 million comme 100 personnes, comme 0 personnes, évidemment, aussi. Ou 5. Voilà. J'ai vraiment que de la merde. Bref. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up, and you know he has the good shit. Reach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor.
Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it. Voilà, on s'est douché. Évidemment, comme d'habitude, c'est des biatchs. Et il y a eu aussi une grosse connerie que j'avais fait dans l'épisode 2. Je l'ai fait en YOLO, je l'ai fait vraiment directement. Et j'étais vraiment. J'ai juste regardé un petit peu. J'ai quand même passé du temps dessus. J'ai mis genre 2-3 minutes dessus. Et j'avais pas vu qu'il y avait le message vidéo. Je suis totalement con et j'avais oublié de l'effacer. Et on va le faire évidemment pour Kate quand même. C'est pas cool. Hein. Otter Power? La puissance so des loutres. I'm good to flow. Des tampons, thanks. Non, pas la peine. The last time I got a flu shot, attention, vous êtes prêts pour la blague ultime. Attention. Attaquez la grippe avant qu'elle vous prenne en grippe. Faites-vous vacciner. C'est génial. Je sais pas si vous avez lu aussi le. Quand Max a parlé, elle avait dit. Attends, je sais plus trop ce qu'elle avait dit. Ah ouais, elle avait dit qu'elle s'est fait vacciner contre la grippe et elle a eu la grippe. MDR. Bref. Utiliser. Ah oui, pardon. J'avais oublié. Ben voilà, la même réponse qu'elle. Putain. On efface évidemment. On est très gentil évidemment. Rachel is a wall. Ok. Sympa. Enfin, je sais pas du tout ce qu'il y a marqué. Rachel est un qui, je sais pas quoi. War, je sais pas du tout ce que ça veut dire. J'ai un peu bugué mentalement, je vais pas vous mentir. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui allait sortir de la chambre. Okay. Bonjour. C'est quoi de Victoria? Okay. On va pas toquer chez Kate encore, on doit juste récupérer le livre, se changer et on y va. What? Ah! Non? What? No fucking way. This is not why I came to Blackwell. And I still have to clean all this crap up after I find Kate's book. Ah d'accord. Ah d'accord, en gros si on prend carrément la photo, elle défonce l'appartement. Bon, je vais pas vous mentir. En fait, elle marque ça. Elle met une photo dégueulasse, on va voir ça tout de suite. Et elle prend genre la chaise et tout, elle met tout par terre et c'est le vrai bordel ici. Donc, ok. Un des meilleurs. Oh shit. La vengeance de Nathan. Ah d'accord. Even Chloe told me not to go to the principal. Ah d'accord, c'est Nathan qui a fait ça, d'accord, ok. Et Victoria, je crois qu'elle aurait carrément saccagé la chambre. Art if it wasn't so fucking sick and disturbed. C'est plutôt sympa. Hein. Bref. On va chercher. Ah oui, c'est vrai, c'est ici. Ah, Max, qu'est-ce que t'es malade, Max? Soda on Kate's book. Better fix this fast. Kate needs the book, and I don't want to add to our list of problems. Be gone, foul soft drink. Aha, you sneaky book. You're mine. Ok. On va s'habiller. Maybe I'll just put on a shirt and jeans. Hey, Einstein had the same exact suit for every day of the week. And he couldn't even rewind time. Ok, elle a changé de t-shirt. Et de jeans, je pense. Now I can finally take this. Oui, on s'intéresse aux vêtements vestimentaires. Putain, j'arrive aux vêtements vestimentaires. I do have all the time in the world now. Attention, vous êtes prêts? Ferme ta grande gueule, sinon je te défonce. Je sais où tu dors. Je te mets un coup de tête, là. Oh, shit. Now I'm getting anonymous threats. It never ends.
This has to be from ça doit venir de Nathan, mais ça pourrait être n'importe qui. C'est vrai que ça peut être n'importe qui, mais évidemment, on veut vraiment que c'est Nathan. Ou peut-être les parents, mais bon, ça intéresse plutôt Nathan. Bonjour. Pas l'air en forme. Donc, les gars, il va se passer un truc dans pas mal de temps. Enfin, dans plusieurs parties à venir. Donc il faut, je ne vous donne pas d'indice, il faut juste, donc mettez pause, regardez, évidemment. Je vais juste bien tout fouiller, vous comprendrez plus tard pourquoi c'est important de fouiller. Si vous faites l'épisode 2, je vous dis, c'est très important de fouiller toute la, tout le dortoir de Kate, toute la chambre de Kate. Et vous comprendrez dans, peut-être dans 5 ou 6 parties plus tard, on verra. Kate really has a doting father. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean. Cathy, tu seras toujours... Ah, mais non, Jean, un point virgule ou deux points, ça, c'est ok. Cathy, tu seras toujours mon flambeau dans l'obscurité. Bisous et câlin, papoudé. Voilà. I had no idea that Kate ever hung out with Alyssa and Stella. Maintenant, tu le sauras. On prend une petite photo du lapin. Il est si mignon. C'est une tendine du cul, c'est un truc de ouf. Un lapinou. That is the cutest bunny ever. I bet Kate. Non, mais elle s'en occupe très bien, évidemment. Bonjour. Ok, il y a Chloé qu'on connaît maintenant. Mettez pause. Hein. On verra ça plus tard, les trucs. Hein. Je vous le montrerai peut-être à un autre moment. Voilà, je vous ai donné les trois qu'il fallait regarder en ce moment. Et le reste, je vous le mettrai. Ah, il ne manque plus que la dernière chaîne. Ok. Tante marche, elle a l'air pas mal aussi, hein. Sympa. Good lord, this must be Kate's H.R. Geiger period. Vêtements. Kate's room is usually immaculate. For her, this must be a pigsty. Bible. Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. Okay. I had nothing to rebel against. I don't know. Damn, it's the la famille de zombies américains typique. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Bye, Kate. Hey, Kate, I brought your book. Max, why didn't you do anything when David harassed me yesterday? Voilà, c'est ça. I wanted proof David was in your face. I thought he was different. I'm happy to see that somebody cares. Ah yes, hey, ça fait plaisir. Mais oui, on s'inquiète pour elle évidemment. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks ah oui, parce qu'elle avait fait le. Elle s'est fait droguer, je crois, par Nathan, ce qui paraît. What about this video? And I swear I haven't watched it. I can't even watch it, Max. I won't either. Thank you, Max. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. That's awful. So, how did that happen? It's a long story. I'm still trying to sort it all out. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine, and then I drank water. Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church, and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott l'a amené à l'hôpital? Mon Dieu! Évidemment, on va se demander qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, les gars. Mais obligé parce que j'ai plus le temps. Pas grave, dans la partie. Putain, pardon, dans la prochaine partie. Dans la partie 3. Allez, je vous dis à plus tard, tout le monde. Ciao!